Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois avec nous sur la chaîne, sachez que vous avez manqué 10 épisodes. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en haut et en bas de description. Ici, c'est le 11e épisode. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous avons commencé la construction du mur de soubassement en enveloppe plein. Nos enveloppes pleines fabriquées en usine, ça a été montré dans les vidéos précédentes. Des agglos pleins de dimensions 15 x 20 x 50. Regardez la hauteur du mur de soubassement. Voilà, ce coin-là, on a terminé dans les deux sens. Il ne reste plus qu'à venir coffrer et couler l'amorce poteau de ce côté. Donc, je vais faire le tour. Voilà, c'est toute la longueur que nous avons construit avec du mur. Dans les vidéos précédentes, nous avons commencé avec les longues lignes de redressement. Nous les avons coulées en deux étapes. En première étape, nous avons coulé les semelles. Là maintenant, nous avons coffré le reste de la longue ligne et coffré, et nous sommes en train de verser le béton. Le travail parle de lui-même. Il n'est même pas la peine de faire trop de commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je reprends également ici ce que j'ai dit dans les autres vidéos. Nous ne sommes pas en présence d'une semelle excentrée et d'une semelle centrée. Toutes nos semelles sont centrées. Mais pourquoi utiliser une longue ligne de redressement? Les concepteurs du projet nous ont imposé de mettre une longue ligne vraiment pour solidariser les deux semelles, puisque la distance entre les deux semelles est de 7,20 m. On a deux emplacements où la distance entre deux semelles est 7,20 m, deux emplacements où la distance entre deux semelles est de 5 m, et un cinquième emplacement où la distance entre deux semelles est de 5,50 m et 6 m. Et à tous ces endroits, le concepteur du projet nous a imposé avoir une longue ligne pour pouvoir solidariser deux semelles. Laissez vos questions dans la barre de commentaires si vous en avez. Nous serons très ravis d'y répondre. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque nous allons montrer toutes les étapes jusqu'à la livraison du bâtiment. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.